Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, had that show just. Non, aujourd'hui, on va parler un peu. Je vais me maquiller, je vais me coiffer un peu. On va parler un peu parce que j'ai lu un peu dans vos commentaires un peu. C'est avec mes vidéos, ça en a fait carrément une polémique, carrément si je peux dire. Vous vous êtes mis à dire des trucs qui m'ont déplu, du coup je vais juste intervenir et bien sûr je vais le dire avec mes mots, mon avis. Après voilà, comme on dit, on n'est jamais d'accord, je l'ai bien vu dans les commentaires. Du coup voilà, je vais mettre un peu mon point de vue parce que le but de mes vidéos n'avait aucun moment pour but de dénigrer les Arabes. Parce que là, déjà, parce que je suis avec un Arabe, ma fille est à moitié arabe, mes meilleurs amis sont arabes, j'aime les Arabes, j'aime les Noirs, voilà. Donc je vais un peu parler avec vous comme si je parlais avec mes amis. Vous savez quoi, je vais changer de haut parce que c'est pas possible avec ça. Voilà, je me suis mis à l'aise, clairement je voulais me mettre en mode et que ça, mais ça sert à rien, voilà. Du coup, j'ai entendu, en fait, je vais vous donner un peu déjà mon point de vue sur ma relation parce que beaucoup de personnes ont un peu jugé ma relation. On me dit oui, t'as pas honte ou je sais pas quoi, tu vois qu'ils t'aiment pas, je comprends pas pourquoi les Noirs vous vous abattez à vous, je sais pas quoi, à vous mélanger ou ce que j'ai pas trop compris. Alors que vous voyez qu'on ne vous aime pas, enfin, c'est pas vraiment ça, mais en fait, je dis en général de ce que j'ai compris. Et on dit oui, les Noirs, ils aiment trop se mélanger, ils aiment trop la mixité et tout. Et est-ce que j'ai... En fait, vous parlez plus des Noirs arabes, Noirs arabes, Noirs arabes. Vous savez que le racisme existe partout. Les Noirs, malheureusement, vraiment, j'ai envie de prendre l'exemple du Noir. Le Noir n'est pas aimé partout. Aux États-Unis, en Chine, en Inde, chez les Arabes, chez les Blancs, chez les... Partout! Il n'y a pas un pays... Bref, je pense que même plus de la moitié de cette planète n'aime pas les Noirs, entre guillemets, faut pas... Et le problème, malheureusement, on en fait une généralité parce que ce sont une grande majorité des gens, en fait, qui n'aiment pas les Noirs. Donc, en fait, on mélange tout, oui. Vous voyez pas comment les Arabes traitent les Noirs dans les pays, et tatati tatata. Même les Arabes Noirs, parce que ceux qui... Les Arabes Noirs, je sais pas comment... Ils ont un nom spécial, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bref, les Arabes qui sont Noirs comme moi. Ils sont pas acceptés parce qu'ils sont Noirs, je sais pas quoi. Faut comprendre que le racisme existe. Et si t'as peur du racisme, tu pourras pas avancer. Si tu as peur qu'on soit raciste avec toi, tu ne pourras pas avancer. Moi, je savais qu'ils aimaient pas les Noirs, je savais, mais j'aime leur fils. Si j'aime leur fils même, malgré qu'ils ont tout fait pendant un an, et jusqu'aujourd'hui, ils ont tout fait pour me séparer de lui, et aujourd'hui, je suis toujours avec lui, je vois pas pourquoi on devrait tout arrêter pour ça, en fait. Dieu, c'est ce qu'il fait. Donc, il dit pardonner. Donc, moi, je pardonne. Je pardonne tout simplement. Donc, je le laisse faire. Mais je sais que Dieu saura quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est pour ça, en fait. Moi, ça m'atteint pas. Je suis arrivée à un stade... Les gens savent mon caractère. Comme on dit, oui, t'as trop laissé faire. Non, j'ai laissé faire Dieu. Alors, pour ceux qui demandent comment je fais mes chignons, j'utilise une mèche. Du coup, je pense que tout le monde connaît cette technique un peu. Mais bref, pour ceux qui savent pas. Donc, je mets beaucoup de gel pour les plaquer un peu. Et en fait, ce que j'utilise, c'est une crème en gel. C'est plus... Je sais pas si vous allez voir. C'est une crème en gel Nivea. Je l'adore. Elle fait bien naturel, en fait. T'as pas besoin de défrotter tes cheveux. Pour que ça soit bien plaqué. Et après, voilà, je serre bien. Et voilà, ça fait genre postiche. Et après, je prends... Je serre bien. Hop là. J'ai même pas besoin de faire de nœuds. Et après, voilà. Et c'est comme ça que je fais mes cheveux, en fait. Et après, je prends un foulard.
Comme, en plus, que j'adore faire ça parce que ça attire mon visage. Vous voyez, ça fait effet lifting. Je crois que si on appelle ça comme ça. Bref, je vous raconte un peu ma vie. Je vous ai dit, on est des amis, on parle, on parle. Du coup, comme je disais, moi, j'ai accepté. C'est pas vraiment accepté. Bien sûr, tout ça, ça m'a fait mal parce que moi, j'ai toujours rêvé des relations belle-mère, belle-fille. On est ci, on fait ça. Tatati-tatata. Vous voyez ou pas les relations belle-fille qu'on peut voir dans les films. Malheureusement, je n'ai pas eu ça. Je me suis dit, ok, peut-être qu'ils vont pas m'accepter, moi. Tant pis, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu, ils étaient arrivés au stade de carrément bannir ma princesse, j'ai vu que ça allait loin quand même. Mais c'est pas grave. Tant que Karim est avec moi, tant que lui, il nous aime, il aime moi, il aime sa fille, pourquoi j'irai chercher plus loin? Je vois pas, en fait. Je vois pas. Les gens, oui, ça sert à rien, je sais pas quoi, les relations noires arabes, ça marche pas. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours avec Karim, malgré tout ce qui s'est passé, parce que si vous saviez, je vous ai pas tout raconté ma vie, hein. Je vous ai pas tout raconté, hein. Mais Karim et moi, ça a pas commencé très bien non plus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Mais peut-être que je vous ferai une story time dessus. Vous avez des foulards un peu trop grands? Oui, je trouve plus mon ancien foulard. Du coup, je vais prendre ça. En plus, ça fait une belle coiffure. Hein. Bref, je vais faire un peu mon maquillage. Je vais me maquiller un peu. C'est pour ça, en fait. Faut arrêter de faire... J'ai déjà fait mes sourcils, hein, parce que vous savez très bien que j'ai du mal à faire mes sourcils et en même temps parler. Donc, je vais utiliser mon Estée Lauder Ravive Éclat de Clarins pour un effet naturel. Peut-être je fais mes yeux d'abord. Je vais faire mes yeux d'abord. Du coup, je disais, il y a des personnes que je connais. Il y a une arabe... Une amie à moi qui est arabe, elle a voulu sortir avec un indien. Devinez qu'ils n'ont pas accepté. Eh oui, ce sont les indiens qu'ils ont complètement banni. Mais quand je dis ils ont banni leur fille, non, ils ont banni leur fils parce que leur fils était indien. Ils ont banni leur fils qui était indien et la famille indienne ont banni leur fils parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit avec un arabe. Est-ce que vous vous rendez compte? Bah enfin oui, vous vous rendez compte parce que c'est comme ça partout, tout simplement. Le racisme est partout et ce n'est même pas du racisme. Je parle de racisme, ce n'est pas de racisme. C'est juste une question de coutume, une question de famille tout simplement. Parce qu'il y en a qui préfèrent rester tunisien, il y en a qui préfèrent rester algérien, il y en a qui préfèrent rester congolais, il y en a qui préfèrent rester malien. C'est simple. Il y en a qui veulent pas trop de mélange dans leur famille. Je connais une personne, il est haïtien. Il sort avec tout, mais il a dit qu'il se mélange pas. Il a fait un enfant avec une haïtienne, mais il sort pas avec cette haïtienne-là. Juste, il veut pas d'autres personnes dans la famille. Vous voyez ou pas le cas de personne que je veux parler. Donc, c'est, en fait, c'est un mélange. C'est, les gens, ils ne veulent pas se mélanger. Ils veulent pas... c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Moi, regardez, au début, Karim, il était pas du tout la bienvenue. Hein. Karim, il était pas du tout la bienvenue, mais j'ai imposé Karim à la famille, à ma famille. Après, ma mère a accepté Karim. Au bout d'un an, je crois, au bout d'un... Non, même pas. Ouais, presque un an, ma mère a accepté Karim. Mais c'était compliqué. Les gens de ma famille du bled, par contre, ils ont pas tous accepté Karim. Hein. Il y en a qui font un peu les hypocrites pour mon bien parce qu'ils savent que je suis amoureuse de Karim. Et aussi, quand on parle aussi de couple mixte, on parle aussi de religion. Et la religion aussi joue beaucoup. Et moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas musulmane. En fait, tout simplement, je n'ai pas vraiment de religion. Je viens tout simplement d'une famille chrétienne, enfin plus catholique, mais je suis juste croyante. Mais je n'ai pas de religion. C'est un peu ça aussi qui a fait que ça nous freine pas, parce que Karim, lui, est musulman. Mais moi, je suis croyante. Je crois juste en Dieu. Du coup, je n'ai pas... Bref, je ne veux pas trop raconter, voilà, je suis croyant, je crois en Dieu. Et le fait, en fait, aussi que je ne suis pas musulmane a fait que la mère de Karim ne m'accepte pas aussi. Peut-être le fait que j'aurais été musulmane, il y aurait peut-être eu un moyen, parce que déjà, ça aurait été plus facile pour nous, parce qu'on aurait pu faire le halal, on aurait été mariés. Mais là, comme on n'est pas mariés, on a un enfant, ça fait aussi que ça a beaucoup freiné dans tout ça, en fait. Ça a freiné dans le fait que... J'avais pas raconté parce que ça faisait pas partie de mes sujets de vidéo. Mais à un moment, les
le père de Karim, pas la mère, mais le père de Karim m'a parce que je vous avais dit qu'on était fiancés et tout ça, du coup on avait parlé de mariage et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est moi qui ai dit que je ne voulais plus me marier avec Karim, enfin pour l'instant, parce que il venait de faire quelque chose que je n'acceptais pas du tout, que je n'ai... Bah maintenant je ne l'ai pas accepté, mais voilà, je l'ai pardonné. Donc sur le moment là, ils étaient un peu énervés aussi, parce que le fait que je refuse aussi le mariage les a un peu... déstabilisé, tout simplement, parce qu'ils comprennent pas pourquoi je suis avec leur fils, mais je veux pas me marier, je fais des enfants. Ça aussi qui les a un peu énervés, je pense. Mais bon, peut-être aussi, je vous ferai une story time pour... bon, après, je pense que vous devez un peu vous douter ce que Karim a fait. Non, en fait, vous pouvez pas vous douter. Il a fait tellement de bêtises aussi, cet imbécile. Si je me penche un peu, c'est parce que ma table est largement plus loin que où je suis. Du coup, si je m'approche de la table, on va se voir comme ça. C'est pas le but. Faut qu'on se voit un peu distant, de un mètre de sécurité. Tu vois ce que je vais dire. Du coup, je sais pas si d'où il sort cet accent. Je sais pas, il sort de quel pays. Bref. Du coup, je disais, c'est pour ça aussi qu'en fait, les parents de Karim, en fait, ils étaient un peu énervés parce que je n'ai pas accepté le mariage parce que Karim a merdé, quoi. Il a fait bêtise. Voilà, c'est triste, mais voilà. Je veux me marier avec Karim, hein, c'est mon but de ma vie. Mais le moment où ils m'ont dit que je devais me marier avec Karim, c'était le moment où il a fait la bêtise, quoi. Du coup, bah, c'était compliqué. Je sais pas si je vous fais les étapes, bon vous voyez un peu, hein. Après là je sais pas, puisque on voit pas trop avec la lumière. Mais là c'est du jaune, là c'est du orange. Pourquoi j'ai toujours des trucs sur la main. Du coup ouais, je disais, attendez, je fais mon truc. Du coup, je vais dire un truc maintenant très simple. Être amoureux, c'est quelque chose de beau. Mais c'est quelque chose de très dur. Si votre relation se passe tout beau, tout rose, c'est que ça va casser un moment. Parce que Dieu teste l'amour des gens. Dieu, comment dire, il nous donne des obstacles. Parce qu'un amour sans obstacle, c'est un amour facile. Et c'est pas un amour mérité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a vécu presque tous les obstacles de Dieu. On a vécu la tromperie. On a vécu les mensonges. On a vécu la distance, on a vécu l'humiliation, on a vécu les ruptures aussi, on a vécu tout ce qui est imaginable et inimaginable. Parce qu'on a vécu tellement de choses, on a vécu la mort, on a vécu la vie, on a vécu la peur, on a vécu tout en fait. Et juste en reparlant, en fait, ça me donne, vous voyez, la gorge nouée, quoi. Parce que je repense en fait à mon jeune âge, à l'âge de mes 16 ans, à mes 19 ans, tout ce que j'ai vécu pour un amour de jeunesse. Qui aujourd'hui est l'amour de ma vie, j'espère. Parce que j'espère que Dieu ne m'a pas fait vivre tout ça pour qu'au final... Bref, du coup, je disais... En gros, moi, je suis fière de comment je me suis battue pour mon amour. Vous savez pas hein, comment des personnes, jusqu'à aujourd'hui, je ne parle plus. Parce qu'ils en pouvaient plus de tous ces obstacles par Dieu. Parce que j'ai un caractère très, très, très fort. Et c'est ça qui fait un peu qu'il y a beaucoup de disputes dans notre relation. C'est que j'ai un caractère très, très, très fort. Et je suis très, très impulsive. Donc, je peux m'énerver au quart de tour. Je m'énerve très vite. Et Karim, lui, il est très calme. Et c'est ça, en fait, le yin et le yang. Ouais. Les opposés s'attirent, un truc comme ça, non? Et bah Karim et moi, c'est exactement comme ça. On est totalement opposés. Moi, je suis une personne qui m'ouvre beaucoup. Karim, il est très discret. Karim est une personne très calme. Et moi, je suis une personne très impulsive, qui parle beaucoup, qui s'énerve vite, qui a vite la boca. Et Karim, c'est tout le contraire. Il est très calme. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'accorde très bien, en fait. Karim et moi, c'est A plus B. Même si, parfois, ça peut péter, hein. Ça peut péter. Faut que Karim, quand il faut... Parce que moi, je suis une personne qui... J'ai besoin de conflits. Ma vie, c'est un conflit. Vous voyez ou pas? Je m'emporte très, très vite. Quand vous me dites dans les commentaires, oui, t'as été trop gentil avec si, t'as été trop gentil. Non. J'étais respectueuse. Parce que si on montrait qui nous étions vraiment à la famille de Karim, comment allait-il encore plus penser de moi? Vous voyez pas ce que je veux dire? J'ai préféré faire profil bas, me contenir pour la famille Karim, pour montrer que malgré ce que vous faites, nous, on a peur de Dieu. On sait que faire du mal aux gens, c'est mal. C'est pour ça qu'on ne vous fera pas de mal. On leur a dit que c'était pas correct ce qu'ils faisaient. On leur a dit,
Mais on a été très polis. Et en fait, je me rends compte que parfois, quand je filme, en fait, on voit pas... Peut-être parce que c'est mon c'est le téléphone. Parce qu'on voit pas très bien, en fait, les couleurs sur mes yeux. C'est ça qui est dommage, en fait, parce que c'est des très belles couleurs. Bref, du coup, je veux reparler sur sur la religion aussi, parce que c'est ça aussi qui freine beaucoup de couples, en fait. Nous, Karim est musulman, moi, je suis non musulmane. Voilà, tout simplement, je suis non musulmane. Du coup, c'est ça qui a peut-être fait aussi qu'on s'entende bien. C'est ça qui a fait que la religion ne nous a pas freinés. Parce que moi, juste, je crois Dieu, je prie Dieu, je parle à Dieu. Voilà, mais Karim, lui, a sa façon de prier, il a sa façon de... Dans tous les cas, c'est le même Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, musulmans, chrétiens, juifs, on prie tous le même Dieu. Moi, c'est mon avis et c'est logique, en fait. Il n'y a qu'un seul Dieu, on a tous le même Dieu. Voilà. Bref, c'est juste la religion qui change. Après, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. C'est tout à fait normal. Mais je dis bien, c'est mon point de vue. Donc, venez pas m'agresser en commentaire. Clairement, je vous répondrai, mais je vous répondrai parce que je suis poli. Je vous préviens déjà que ce que je dis, c'est mon point de vue. Du coup, voilà, la seule chose qui fait que... Parfois, ça pète, en fait. C'est le fait que moi, je mange du porc, voilà. Même si je sais que Dieu l'interdit, mais que ce soit dans toutes les religions, chrétiens, musulmans, je pense aussi les juifs, ils mangent pas de porc. Mais voilà, Dieu interdit le porc, mais voilà, j'ai vécu dans cette nourriture-là et je la connais depuis que je suis petite, donc l'arrêter de manger, c'est un peu compliqué, surtout que c'est super bon. Du coup, voilà, bref. Du coup, ça fait aussi que c'est ça qui est un peu compliqué, parce que moi, j'en mange, lui, il n'en mange pas et ça le dégoûte un peu. Parfois, on a des disputes. Mais voilà, après, pour ceux qui vont me poser la question, oui, mais votre fille, elle va être de quelle religion? Stop! Ma fille sera de la religion qu'elle décidera. Je vais lui apprendre. Déjà, moi, je vais lui faire comprendre qu'il y a Dieu. Mais Karim va lui apprendre aussi sa religion, bien évidemment. Et plus tard, quand elle sera consciente de ses actes, elle décidera si elle veut... Dans tous les cas, elle est obligée de croire à Dieu. Donc après, elle choisit sa religion comme elle veut, mais dans tous les cas, elle est obligée de croire à Dieu. Pour ça aussi, que ça ne nous a pas freinés aussi. Parce que moi, je respecte toutes les religions, je ne suis pas contre les religions. C'est juste que moi, j'ai mon point de vue. Attendez, je mets mon crayon parce que je ne peux pas regarder là-bas en même temps. Bref, là, si vous voyez mon œil, il pleure, c'est logique. Parce que je me suis un peu pointé l'œil. Bref, vous savez très bien que comme moi, je vous parle comme si vous étiez mes amis. Du coup, je vous dis, là, je vous parle un peu dans le désordre. Parce que je vous parle en fait avec le cœur. Je vous parle vraiment comme si on était face à face. Je vous prépare pas, je sors tout le cœur. Bon, peut-être que je devrais préparer parce que là, ça devient un peu... Voilà, c'est pas assez professionnel, je le sais, désolé. Mais voilà, moi, je vous considère comme mes amis. Bon, je l'ai un peu trop répété, cette phrase, ce mot-là. Mais voilà, j'aime bien parler avec vous, même si parfois... Ce qui est compliqué, c'est quand on n'est pas d'accord, ça peut mettre des conflits et tout, bêtement. Parce que on n'a pas tous les mêmes points de vue. Mais voilà, moi, je dis ce que je pense. Je dis juste que... rien à voir parce que les personnes d'une famille ne vous aiment pas. Du moment que Karim m'a accepté, je vois pas maintenant pourquoi il devrait avoir polémique. Karim, il regarde mes vidéos, il m'a pas dit supprime, il m'a pas dit oui, tu t'aurais pas dû dire ça, parce qu'il sait tout ce que j'ai dit, parce qu'il a vu que j'avais parlé avec respect, il a vu que j'avais pas dénigré sa famille, j'avais juste dit ce qui s'était passé, que j'ai fait mon témoignage. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qu'ils étaient aussi dans des couples mixtes et qu'ils avaient peur de vivre ce que j'ai vécu. Moi, je dis, si t'as pas peur, si tu vis, je sais pas que t'as pas peur, si tu ne vis pas le risque, ta vie, elle est nulle. Faut vraiment, faut avoir de l'action dans ta vie, d'accord? Faut te battre, faut te dire que t'as eu ça parce que t'as fait ça, faut te dire... Après, si tu peux l'avoir en loose day, elle est en loose day. Ta vie, elle est yambe jusqu'à ta mort, elle est yambe. T'as vu ou pas, j'ai envie de te dire, tant mieux pour toi. Moi, je sais juste que je ne regrette pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne regrette pas que la famille de Karim ne m'ont pas accepté. Je regrette juste qu'ils n'ont pas accepté ma princesse. C'est tout. Je me dis juste que c'est un peu dommage parce que là, ils sont en train de tout mélanger. Ils mélangent notre amour, ils mélangent la famille parce que maintenant, ma fille fait partie de leur famille. Tant pis, j'ai envie de vous dire tant pis. En vrai, regardez mes cils. Je sais pas si vous voyez, mais en vrai, pour ceux qui connaissent, j'avais des cils nuls, ils se voyaient pas. Et je connais, en fait, la seule façon en fait, d'avoir des longs cils, c'est boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est comme ça que mes cheveux, ils ont aussi poussé parce que je vais vous essayer de vous trouver une... Non, je crois pas, en fait, j'avais pris mes photos, mes cheveux courts. Si, si, bref, je vais vous trouver, je la mettrai là.
mes cheveux, ils étaient super courts l'année dernière. Hein. Et comme vous avez vu un peu la longueur de mes cheveux, je suis impressionnée. Et en fait, tout ça, c'est au bord de l'eau. Le truc de l'huile de ricin, j'en ai mis sur mes cils un peu quand j'étais... J'en ai mis un peu sur mes cils et mes sourcils pendant ma grossesse. Je faisais des massages sur mes cils et mes sourcils. C'est comme ça qu'en fait mes cils et mes sourcils aussi ils ont poussé. J'en ai pas mis sur mes cheveux, mais vraiment ce qui a fait pousser mes cheveux et mes cils, c'est boire beaucoup beaucoup d'eau. Après moi, comme vous, si vous aimez pas l'eau, bon, comme moi je n'aime pas l'eau parce que l'eau n'a pas de goût, je mets du citron. Donc là, puisque j'ai la flemme de presser un citron, je mets du pulco. Et le pulco, quand tu mets ça sur un litre 50 de d'eau, 1 litre 50 d'eau, je mets à peu près 50 millilitres, mais 50 millilitres d'eau, 50 millilitres de pulco ou de jus de citron. Bref, je vous ferai peut-être une vidéo parce que là, je suis en objectif de perdre du poids. Là, ça va faire déjà un mois que j'ai commencé. J'ai déjà perdu bien plus de 10 kilos. Moi, ouais, 10 kilos. Et c'est comme ça. Après, je vous ferai, quand j'aurai atteint mon objectif, si je le veux, je vous ferai une vidéo comment j'ai fait pour perdre du poids aussi rapidement pour cet été. Parce que là, Macron, si tu m'enlèves mes vacances là, ici, je vais descendre aux Élysées. Aux Élysées. Bref, je fais un peu le tour de ce que j'avais à dire sur ça. Sur le fait de la mixité, en fait, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Voilà, on va parler un peu on va rester un peu dans le thème des couples. Et cette fois-ci, les couples à distance. Parce que comme vous pouvez le savoir, Karim et moi, nous sommes en couple en distance. Et ça fait combien de temps qu'on est en couple? Ça fait 3 ans et quelques jours. Et ça fait combien de temps qu'on est en relation à distance? Ça fait 2 ans quoi. Bref, 2 ans arrondis. Donc en fait, on a pu se passer notre relation séparée qu'ensemble en fait. Parce que on a vécu presque moins d'un an ensemble. On a vécu, j'étais à nos 10 mois, j'ai dû déménager. Ouais, on a vécu très 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 longtemps séparés. Malgré tout, en fait, on s'est battu. Du coup, moi j'ai envie de vous dire... Une relation à distance, faut du mental de fou, hein, de fou bâtard. Faut un putain de mental. Parce que si t'as pas de mental, tu vas pas tenir du coup. Vous allez vous finir en dispute. Déjà, faut du mental et de la confiance. Attendez, parce que moi, je sais pas appliquer les faux cils. En fait, moi, j'ai un problème, c'est quand j'applique mes faux cils, ça se décolle tout le temps. J'essaie de faire, hein. Bon. Bref, du coup, je disais, la distance, en fait, faut être sûr, en fait, parce que quand vous savez que vous allez vivre en distance, faut déjà vous dire si vous allez tenir. Parce que si vous savez que c'est en question, par exemple, pour du travail, vous dites, bon, ok, ça va durer un certain temps. Mais quand vous savez pas combien de temps ça va durer, que vous dites, ok, vas-y, les premiers mois, ça va être facile. Non, les premiers mois, c'est toujours les plus durs. En fait, vous perdez vos repères parce que si vous passez, comme vous étiez, si vous êtes comme moi, H24, matin, midi, soir, nous étions ensemble. Quand je vous dis on était ensemble, on se réveillait au téléphone. Quand on était à son école et moi j'étais à mon école, on s'appelait tout le temps. Soit il venait me chercher, soit je venais le chercher. On passait toute la journée ensemble. Tous les jours, il n'y avait pas un jour où on se voyait pas. On est passé de 36 heures ensemble à 0 heure en fait. On se parlait qu'au téléphone, mais l'aspect physique, en fait, c'est ça qui nous manquait, en fait. Le fait de plus avoir de bisous, de plus de câlins, plus d'avoir de se toucher, en fait. Tout ce qui était physique, en fait, c'est ça qui manque. C'est très, très, très dur, en fait. Après, nous, on s'est dit, vas-y, ça va pas durer. Je reste vite fait ici. Après, je reviens donc chez mon daron. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu d'autres complications qui a fait qu'on n'a pas pu trouver d'appart. Parce que, voilà, c'est un truc qui s'est passé dans ma famille. Il faut que vous vous dites en fait, ouais, peut-être qu'il va se passer ça, mais il faut que je fasse confiance. Il faut qu'il va se passer ci, il va se faire comme ça. Oui, mais pourquoi il m'a pas répondu? Est-ce comme si? Pourquoi il m'a pas répondu comme ça? En fait, on devient tout de suite parano. Et en fait, il faut que vous essayez de mettre la paranoïa de côté. En fait, il faut que vous dites, ok, bref, il a toujours été fidèle, il a... Je peux lui faire confiance. Bon, après, si vous vous faites trahir, ne dites pas que c'est ma faute parce que voilà. Mais le but d'une relation, c'est la confiance. La confiance, la fidélité et l'amour. Ce sont les principaux facteurs de l'amour. Ouais, vous savez quoi? J'ai dit un peu ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai fini mon maquillage. J'ai parlé, en fait. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai un peu conseillé. Je vous ai donné mon point de vue. Après...
je ferai une vidéo où je vous laisse vous abonner à mon Instagram. Vous allez me poser toutes les questions que vous voulez me poser. Et j'y répondrai. Après, je répondrai vraiment aux questions qui reviendront le plus déjà, qui me semblent aussi importantes pour que vous sachiez un peu, pour mieux me connaître. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo make-up en plus. Je fais pas des challenges, mais je me maquille tout simplement. Parce que j'avais prévu en fait de mettre mon maquillage en fait que sur Instagram. J'avais fait qu'une seule vidéo où je me maquillais. Du coup, j'ai dit, je vais leur faire une petite vidéo. Attendez. Dites-moi en commentaire comment se passe votre confinement, ce que vous avez prévu, si Macron il voulait cet été-là. Parce que moi, j'ai prévu d'aller passer mes vacances avec ma petite famille que j'ai faite là, et avec Karim, avec ma princesse. Après, on se demande si les campings vont ouvrir. D'après le Macron, c'est pas parce que le confinement il est prévu pour le 11 mai que la maladie va s'arrêter le 11 mai. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'ils vont rouvrir les campings, tous les trucs comme ça. Le problème, c'est que je me rends compte que cette poudre, elle m'éclaircit de fou, en fait. Je sais, alors que de base, c'est une poudre libre. Du coup, ça me saoule un peu. Je suis un peu obligée de mettre ma poudre que j'ai utilisée en contouring. Je suis obligée de la mettre, en fait, partout dans mon visage. Voilà. Là, ça fait tout le maquillage. Voilà. Du coup, mes cheveux... Sur ce, voilà mon petit maquillage. Bon, je suis pas hyper, je sais pas faire les baby hair, donc je préfère ne pas tenter. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos un peu de ce genre-là, mais j'espère, je vais essayer un peu de décrire un peu mes ce que je peux dire avant, parce que quand je parle en fait à cœur ouvert, et ben en fait j'ai tendance un peu de tout mélanger. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une prochaine vidéo tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Voilà, j'aime bien parler avec vous, échanger, tous les trucs comme ça. Ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux. De partager ma vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Sur ce, longue vie à nous, on est ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre. Revenir après m'avoir laissé sous l'eau.